Concertul de seara nu va fi ușor. Este vorba de un concert de recontextualizare cu muzica iubită, descoperită de Maritain. O muzică care pentru noi apare grea. Este o muzică de mai mult ca 100 de ani. Asta este o dovadă că Maritain a fost foarte deschis. Un filozof contemporan, Louis Satie, Louis Arthur Lourier, Louis Nabokov, Louis Stravinsky, Louis Cheva Quintat Poulenc și Louis Dinulipati. Dinulipati nu este numai un mare pianist român, dar și un componist. Și am integrat în concertul de astăzi niște melodii scrise de Dinulipati despre poeziile de Arthur Rimbaud, Paul Éluard și Paul Valéry. Pianistul Jacques Dor, care a ajuns ieri, Mune va cânta un fel de recital omagial și el s-a îndrăgostit tare de Dinulipati. A fost ideea lui să cântăm puțin Dinulipati. Atunci, concert bun, totuși, nu va fi un concert ușor. Mon cher Jean, je me connais trop bien pour voir dans les traits que vous me prêtez une autre image que de votre cœur. L'amitié est votre excuse. Que suis-je? Un converti, un homme que Dieu a retourné comme un gant. Toutes les coutures sont dehors, les corps sont à l'intérieur, elles ne servent plus à rien. Un tel animal a de la peine à s'estimer quelque chose. Il a envie de demander pardon aux autres d'exister. Leur fourrure, leur carapace, l'impressionne. Vous comprendrez cela, vous, bien que pour vous le cas n'ait pas été de quitter le récit pour la foi, mais seulement de reprendre votre temps à l'église. Votre ange, gardez la place. Écrivez tous les matins votre nom sur le bruit de Dieu. Thank you.
Toujours, vous avez eu ceci des anges. Vous parlez d'eux dans tous vos livres. Leurs mains faisaient des taches de lieu sur toutes sortes d'objets que vous touchiez. Vous les aperceviez dans des reflets de vitre. Par le mémoire sensible de l'analogie des énigmes qu'on figure, par la poésie, vous les retrouviez peu à peu, vous deviniez leur immensité, leur force, leur tendresse, leur élégance, leur danger. Car, à vrai dire, c'est eux qui vous prenaient au piège et tenaient l'oiseleur dans leur fil. De son côté, ma philosophie était tout occupée d'eux. Elle était entrée dans le filet des branches, conduite par le docteur Angélique et par Jean de Saint-Thomas, encore un Jean et qui m'est cher. Et le monde des formes séparées lui découvrait des lumières intelligibles, beaucoup plus belles que le jour. Elle avait compris que seul exemplaire des purs esprits permet à la métaphysique de saisir le mystère essentiel de la vie de l'intelligence. Elle ne se lassait pas d'admirer la nature angélique, où chaque individu est à lui seul une espèce. Qui voit toutes les créatures dans la lumière des idées créatrices, qui choisissent et qui aiment une fois pour toujours, dans un acte indéracinable où toute leur substance est engagée. Logique de notre rencontre. Les anges qui nous gardent se regardaient depuis longtemps. Ils en tiraient leur plan de loin. Jean, il voit la face du Père. Leur connaissance du matin exulte en grâce et en gloire dans la vision du Verbe, où tout resplendit. Leur connaissance du soir se soumet toute la machine créée dans ses raisons propres et par droit de nature. Ils ont vu tomber Lucifer, ils ont adoré Golgotha, ils étaient au couronnement de la Vierge. Imaginez-vous leur prière. Nous sommes à leurs yeux comme deux petits points d'ombre se déplaçant dans la flamme, mais que Jésus a aimé. Deux enfants, vous l'avez bien dit, mon cher Gordon. Je le connaissais avant que vous sachiez mon nom. Je suis devenu de droite, avec une curiosité diligente. Je vous regardais comme une espèce de djinn occupé à surprendre le jeu pur et impur des faits, au surplus rassasié de tristesse et fait pour un autre monde. Maintenant, je vais présenter le groupe des six. L'importance de ce groupe dans la musique française des années 1920-1960. Le groupe des six est un groupe de compositeurs réunissant Georges Aubry, Arthur Honecker, Germain Taillefer, Louis Livré, Francis Poulenc, Darius Milhaud et bien sûr Jean Cocteau, qui n'appartient pas au groupe des six. Leur musique néoclassique réagissait essentiellement contre l'impressionnisme et le barbarisme. Ils étaient très influencés par les idées de Dick Satie et de Jean Cocteau. Bien qu'ils aient écrit collectivement, chacun a conservé son style personnel. Le groupe des six a créé seulement deux œuvres collectives, un recueil pour le piano à la bande des six et un ballet, les mariés de la Tour Eiffel. Commençons par Poulenc le sommeil. Jacques Maritain écrivit une seule lettre à Maurice Carême, auteur du cycle La courte paille. La mélodie française de Poulenc est marquée par les tensions harmoniques et, dans cette pièce, par le choix de l'approche qui transcrit l'angoisse d'une vie qui risque de frôler la mort sans le sommeil réparateur.
cet homme. Mais dès avant, les maritains ont pu entendre les ballets russes Stravinsky, tels que Petrushka 1911 et Les Noces 1917-1923, ainsi que son ballet qui inaugure la période néoclassique du compositeur. Apollon Musagète, composé en 1928, puis révisé en 1947. Commençons par une pièce qui illustre bien le retour à une certaine simplicité et élégance. Stravinsky, valse pour les enfants, petit lecteur du Figaro. Composé en 1922, cette page d'écriture, apparemment très simple, installe le ternaire de la valse à la main gauche pour laisser la droite proposer un décalage métrique et harmonique. Thank you.
ancien métaphysique, la poésie à l'art comme la grâce à la vie morale. Elle est donc une image de la divine grâce, et elle-même, parce qu'elle décèle les allusions répandues de la nature, et parce que la nature est une allusion au royaume de Dieu, elle nous donne, sans le savoir, un pressentiment, un désir obscur de la vie surnaturelle. Je me rappelle le mot de Baudelaire. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Et il ajoutait, quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. Elle exige dans sa propre ligne un véritable esprit.
l'esprit de pauvreté. Elle laisse tout pour son absolu. Elle gagne la liberté par la contrainte. Elle entend que le poète se laisse faire, qu'il soit héroïquement docile, mais que son abandon s'accompagne d'intelligence et de volonté, comparable par là, non à l'autoritisme des fous ou à la fureur des possédés, mais à la passivité vigilante et libre des âmes agies par l'Esprit de Dieu. Pour le petit repos d'amour, invisible même,
n'apparaissent pas la poésie en la personne devant Dieu. Je monte en sa grandeur. Personne n'approche autant du monde invisible que le sage et le poète, sinon le saint, qui n'est qu'un seul esprit avec Dieu, et donc infiniment plus près de lui que tout autre. Je montre aussi le bienfait que les hommes reçoivent d'elle. Inutiles par eux-mêmes à la vie éternelle, l'art et la poésie sont plus nécessaires que le pain à la race humaine. Il la dispose à la vie de l'esprit.
a fost trei poezii scrise de Jean Cocteau despre opium, cum este un fel de rai artificial.
C'est par Nicolas Laporte, le cousin de la auteur de Lolita, que les Maratins rencontrèrent les Grunelius et découvrirent Holstein. Nabokov, élève du grand Ferruccio Busoni à Berlin et condisciple de Kurt Weill, est à la fois un compositeur, un musicologue, un organisateur de grands festivals qui milite aussi pour le rôle des artistes dans le débat politique. Il fit connaître à Paris, Berlin, New York la musique des principaux compositeurs modernes sans se préoccuper beaucoup de ses propres œuvres, souvent resté dans l'ombre et très peu joué. Nabokov, première sonate pour piano, lento. L'écriture musicale de Nabokov explore la tension entre différents modes, en jouant notamment sur l'alternance entre quarte et quinte, ainsi que sur des emprunts inattendus à d'autres tonalités. Cette première sonate, que vous venez d'entendre avec son mouvement central, fut créé par le grand pianiste chilien Claudio Garro en 1926, alors qu'il avait le même âge que le compositeur russe. Oric, le printemps. Le retour à la poésie de la Renaissance est une composante de la mélodie parce que la langue française est en plein essor. À travers l'aspect prosodique du texte et de la structure couplet-refrain de la pièce, sentons l'aspiration à une refondation du monde dans cette période de l'entre-deux-guerres. Je te remercie d'exister et d'être si
lumineuse et si bonne. Je te chéris de tout mon cœur. Que les saints anges fassent exulter en toi et autour de toi leur bénédiction et leur chant. Marie, sa bien-aimée, nous n'invoquons pas assez les anges. Pour toutes choses et à tout moment de la journée, il nous faudrait leur parler et leur demander leur aide. En ce jour que je voudrais être auprès de toi, mon cœur se fond en pensant à toi. Appelle les anges à ton aide, défends-toi contre les hommes, ne les laisse pas te faire de mal. Souviens-toi de ce que t'a dit le Père Gargiou et de ce que je lui dis. Ce qui se passe en toi vient de Dieu, c'est son œuvre à lui seul. Il met en toi une lumière et un amour qui valent mieux que tout. Ce sont les plus grandes grâces que tu aies reçues dans ta vie et qui aient rayonné sur notre vie à tous trois. Ne crains rien, ne peur de rien. À cause de toi, je n'ai peur de rien. L'influence de Debussy est particulièrement marquée chez le jeune Arthur Lourier, deuxième compositeur russe que nous évoquons ce soir. Le 11 juin 1935, Jacques écrit au prince Kika, chargé de programmer un concert Lourier en Belgique. Vous pourrez dire au consul que Lourier est le plus grand compositeur contemporain et que ce sera une gloire pour la Belgique de le faire connaître en Europe. Il est pris ses propos en Amérique. Exilé politique au contact du couple maritain, Lourier se convertit au christianisme et écrit en 1926 « Improbellum pour deux violons, bariton et contrebasse, rituel pour voix et piano » en 1928-1929, Concerto spirituale, et en 1938, la symphonie Golchaya d'inspiration byzantine. La Gigue de 1927, dédiée à Jacques Maritain, comporte cette armure de clés qu'on pourrait évoquer la recréation du monde par l'humanisme théocentré promu par Maritain contre la SDN. L'eudonisme est donc un combat évoqué par le choix de la gigue, danse à quatre tons qui vient clore les suites, allemande, courante, menuet, sarabande, pour son caractère virtuose. L'universalité est évoquée par la figuration des cloches Orbi et Turbi. Lourier, qui habite à la maison des Maritains à Priest, repose dans le cimetière de Priest, non loin de Vera. Thank you.
Scrisse si dedicate lui Jacques Maritain à cest capo d'opéra. Il est évocatia Clopotilor, comme s'écrit Clopot, c'est la piano. Il est écrit de Arthur Laurier, si se vede qu'à Philosophia Perennis, il est chi o lupta, non ou mai ce va, car il est ushor. La sferchit, niste cuvinte despre raisa. Je l'ai déjà dit, ma race est exquise, ma tortelle, que de voir dispense de chercher des arguments pour prouver l'existence de l'amour. Il suffit de te regarder, le cœur obscur de cette évidence admirable à laquelle le cœur ne peut pas résister est plus instructif que le cœur obscur de l'intelligence philosophique. Tu es un témoin béni de l'âme et de la force des choses et de l'esprit. Si le temps ne t'en est pas refusé, écris encore des poèmes. Ce sont des fleurs très précieuses et très pures de ta contemplation. Elles demandent à s'exprimer parce que c'est la loi essentielle de l'intelligence. Donne à tes poèmes tout le temps que tu peux. La fleur est utile à la racine. Elle n'est pas un luxe inutile. Les profondeurs veulent se manifester. Il faut révéler tout haut ce qu'il faisait dire à l'oreille. Ces ouvrages de mots que tu formes de tes doigts purs sont des épiphanies d'amour et de vérité. Distrais-toi, fais des disques, va voir des films. Achète-toi de nouveaux disques. C'est une joie pour moi de penser que tu grandis en indépendance, même extérieure et la plus banale qui soit. Les saints, veille sur toi, fais seulement attention quand tu es seul dans la rue de Paris, à n'être pas distraite quand ton cher ange de l'école. Il y a des autres dans les rues, il y en a même qui sortent des portes cochères. Tu as une grande puissance, ma bien-aimée, par le petit moyen et par tous les secrets que Dieu t'a appris. Va souvent à la chapelle pour de courants et exerce cette puissance comme en te jouant. Et en évitant soigneusement l'épuisement de tes forces physiques. Quand Dieu ne met pas lui-même là, en recueillement ou en agonie, j'ai compris que la prière doit être très courte. Quand Dieu absorbe l'âme et que cela va longtemps, c'est pour autre chose. Pour un certain travail qui se fait en nous et que nous faisons. Mais la prière est étendue dans son éclair. Dieu prête l'oreille avant qu'elle soit faite. Il n'y a pas besoin de répéter. Je crois qu'il n'aime pas cela. Il me semble que nous commençons à comprendre par expérience ce qui est dit de la patience qui opère la constance et qui fortifie l'espérance et qu'à son tour l'espérance mourit. Ma bien-aimée, ma race de bénédiction, ma brebis, ma colombe exquise. Et toujours confiance et ne crains rien.